Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Siège Sunset comme toujours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous voyez chez le tracteur, les petits drapeaux alsaciens juste derrière. C'est nouveau, c'est joli, c'est bien. On est comme à la cave en train d'attendre un petit peu. Et voilà, on attend, on attend, on attend. C'est les vendanges comme promis, je vous l'avais promis, on y est. On se retrouve alors pour pour le crément. Je vais vous faire une vidéo sur le crément, une vidéo sur les vins tranquille, comme ça au moins vous serez bien content, hein. Et voilà, j'espère que ça marchera bien. N'hésitez pas bien sûr à aller partager, en discuter avec vos potes, tout ça. Et au moins vous voyez comment ça se passe en Alsace. Donc on est à la cave, on a vendangé le pinot gris ce matin. On va voir combien on a en degrés dedans. Et voilà, moi je l'ai mesuré à 11-12. On verra, je vous mettrai combien on en a. Et puis voilà, et puis on attend. Et puis je vous mettrai quelques images des bottiches qui se vident. Et puis voilà, et puis j'espère que ça vous plaira. Et puis c'est parti pour les vendanges 2023. Allez, à toutes.
Et re les gars, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve juste pour l'outro, je sais. Tout est allé très vite, tout est allé. Ouais, c'est vrai, tout est allé très vite cette année pour le Crément. Juste me mettre un peu à l'ombre, voilà. Tout est allé hyper vite cette année pour le Crément. On a vraiment rentré les Créments en 2 jours. Enfin voilà, bon, on fait pas beaucoup de Créments, on fait vraiment quelques arts. Donc on avait deux demi-journées, on a fait deux demi-journées de Créments cette année. Au lieu de faire une journée, il faisait une chaleur à crever, donc on a fait deux petites demi-journées, ça va très bien. J'espère que ça vous aura plu les quelques images qu'il y a eu. Je vais juste vous mettre aussi, juste vous avez, enfin non, vous les avez même vus. Vous avez vu les quelques images de ceci qui a été passé. Normalement, je vous les ai montrés tout de suite en début de vidéo. Vous les avez vus. Donc, on a nettoyé les jeunes pieds avec la tête fraise, ce qui est vraiment très pratique et fonctionne nickel. Franchement, c'est pratique. C'est lent, certes, c'est vraiment pratique. Bref, bon, il y a un petit repassage à faire à la main, mais ça, vraiment, c'est un petit détail par rapport à ce qu'il y a avant. C'est un truc de ouf. Deuxième chose, donc je vous expliquais un peu au niveau des vendanges, parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé, parce que je dis ça comme si c'était tout à fait normal. Donc les vendanges, pour ceux qui savent pas plus ou moins ce que c'est, donc c'est la récolte du raisin. Bon, ça, jusque là tout va bien. Donc les créments c'est du mousseux, enfin c'est pas vraiment du mousseux, un crément c'est un crément, mais pour donner une idée c'est du vin gazifié, avec bon du gaz naturel mais pas que. Et donc d'ici là, donc en fait le crément est fait avant les vins tranquilles, enfin avant les vins normales, pour des raisons que bon je vais pas trop vous en parler parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Et donc en gros, donc on le vendange un peu avant. Tout ça pour avoir une meilleure qualité, tout ça. Et donc ces créments, on les a rentrés il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est obligatoirement en bottiche. Donc c'est les cuves jaunes qu'on a, les cuves de toutes les couleurs qu'on a sur la remorque, qui sont après vidées. Donc maximum 100 kilos dedans. Et donc de là, donc comment se passent les vendanges? Comme vous l'avez vu, moi j'ai la bottiche après tracteur que je monte sur la remorque. Et avant ça, donc tout est coupé avec des petits sécateurs, dans des seaux, puis dans les seaux à la bottiche. Et voilà comment ça se passe. Principalement en Alsace, ça se passe comme ça. Et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, je suis en train de préparer la benne juste ici. Je prépare la machine à vendanger de l'autre côté. Et puis ma prochaine vendange à la machine, ça va y aller, c'est parti. Et puis vous aurez bien sûr des images de ça sans problème. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec ça. Vous avez vu ça en début de vidéo, les vendanges pour le reste de la vidéo. Et on se retrouve pour les vendanges machine dans, je pense, une bonne semaine, une ou 2 semaines. Ça va très bien faire, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Et voilà, c'était CH27, allez à plus.